18 Martinique, bonsoir, piste 10, autorisé atterrissage, vent 0,60 degrés, 8 nœuds, maximum 14, la piste est mouillée. Reçu, autorisé, atterrissage 10, Air France 840. Ce Boeing 777, Éric Montlouis l'a posé aux quatre coins de la planète. Mais cette piste qui se présente à lui aujourd'hui, c'est un peu la sienne. France 848, dégagé, bravo, poste 8. Il est 19h25, le vol AF848 atterrit à l'aéroport Aimé Césaire au Lamantin, en Martinique. Que je retrouve instantanément mes habitudes, cette traversée que je connais par cœur, cette arrivée sur Fort-de-France, et donc ce retour en Martinique, c'est toujours magique. Et c'est un véritable retour à la maison, et donc je crois qu'on on reste toujours très très attaché aux racines, et je pense que plus le temps passe, et plus on se trouve attaché aux racines, ce retour aux racines est très important. Si Éric a grandi en région parisienne, la Martinique est la terre de ses parents, celle où il a passé toutes ses vacances, celle où vit sa sœur depuis 30 ans. Salut ma sœur. Salut mon frère. Il n'y a pas un passage à la Martinique sans qu'il vienne me voir. Le lendemain matin de son arrivée, il prend sa vedette, il me dit « Bon, Evelyne, j'arrive, je vais le chercher quand je peux. » Et à ce moment-là, il vient déjeuner à la maison, il se détend, on échange, on discute. Et ça fait plaisir, parce que comme on ne se voit pas souvent... Les amis, les souvenirs d'enfance, la beauté des paysages, tout cela compte énormément pour Éric. C'est d'ailleurs ici, aux Antilles, que l'idée de devenir pilote prend forme. En 1967, son père est nommé chef mécanicien navigant en Guadeloupe. Ses parents s'installent à Pointe-à-Pitre. Éric, sa sœur et son frère y feront leur scolarité jusqu'au bac. Mon père était navigant à Air France. Et je pense que le métier des parents a une implication assez forte sur la décision du métier des enfants. Et je pense que c'est plus le métier de mon père qui a influé sur ma décision d'être pilote de ligne. Il y a 10 ans, son père, aujourd'hui décédé, affichait déjà son immense fierté devant le parcours de son fils. Je rends hommage à sa mère qui l'a soutenu, qui l'a aidé, qui l'a porté presque justement pour qu'il arrive à tout ce à quoi il aspirait. Et mon fils a fourni quand même, de par lui-même, je l'ai vu travailler, de par lui-même, des efforts considérables. La voie semble alors toute tracée. Seulement, les circonstances de la vie vont en décider autrement. Éric attendra 14 ans avant de s'asseoir dans le cockpit d'un avion commercial. 14 années durant lesquelles il étudiera la médecine, deviendra un brillant chirurgien, sans jamais abandonner son rêve, devenir un jour pilote.